0. Hé, hey, c'est de la triche. Merci bien, Caroline. C'est une très bonne action de ramasser toutes les bocs de châtaigne, car elles ont des piquants qui peuvent faire très mal. Surtout si quelqu'un s'assoit dessus, t'imagines? Aïe! Merci. Je comprends pas. Comment tu fais, toi, pour pas te piquer? Oh, j'ai une carapace et une peau très, très épaisse. Ah, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais oui, je sais comment je vais faire. Oh, bravo, Bill. Ça, c'est très ingénieux. Ah, Bill le débile. Toujours en train de jouer avec un bâton. Bill, Caro, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Un couple de mésanges vient d'avoir des petits. Des bébés mésanges? Oh. Venez. Allons voir ça de plus près. Accroche-toi bien, Caro. Salut les petits nouveaux. Oh, ils sont trop mignons. Allez, à plus les amis. Et voilà, terminé. Vous m'avez bien aidé, merci. Caporal! Alors comme ça, tu veux croquer des pauvres petits oisillons sans défense. Youpi, j'ai volé dans les airs. Les mésanges te remercient beaucoup, Bill. Tu as été trop génial. Ouais, mais tel que je connais Caporal, il va revenir. Salut, Bill, ça baigne. Vous tombez bien, les copains. J'ai besoin de vous. Oh, elle porte des tongs maintenant, Madame Stick. Hein? Hé, mais c'est encore de la triche. T'as compris, Pluche? Ouais, t'inquiète. Bien, il n'y a plus qu'à mettre en place le plan B. Ah, ce gros Nico de Pluche, ça va être un jeu d'enfant de me débarrasser de lui. Ah ben voilà, c'était exactement ce qu'il me fallait. Alerte rouge. Ah ben non, c'est moi qui ai faim. Et un sandwich. Non, pas bien, je dois pas bouger d'ici. Oh, et puis zut, à la fin. Ben, où est-ce qu'il est passé? Ah, le voilà. Quoi? Mais c'est qui se moque de moi, ce sandwich? Mais... Là, on va bien rigoler. Plus un geste! Tu mets tes pattes sur la tête! T'es en état d'arrestation pour vagabondage. Bye bye, Pluche, mes amitiés à la fourrière!
Personne à la ronde, ces oisillons sont tous à moi. Eh ben, j'ai eu chaud. Oh, ça pique de partout. Yo, 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 yo. Bien joué, les amis. Tu l'as dit? Mais t'étais où, toi? On a transformé Caporal en hérisson. Le problème, c'est que Caporal va revenir. Alors, on fait quoi, maintenant? Oh, je sais pas, moi. On demande à Poule de nous aider. Super idée, Caro. Vous deux, vous restez ici pour surveiller les oisillons. Youhou! Mais attention, les amis! On vous a atomisé. Évidemment, vous avez pas arrêté de tricher. Regardez, derrière vous, il y a Bill et Caro qui arrivent. Arrête, je te crois pas. Ça prend plus vos embrouilles. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Tu veux me montrer quelque chose? Un chat? Tu imites un chat? Oh, regardez, un nid avec des petits oisillons. J'ai compris. Il y a un chat qui veut les manger. Et je parie que ce vilain chat, c'est Caporal. Alors, je sais ce qu'on va faire. Mais j'ai besoin de temps. Donc, en attendant, vous empêchez Caporal d'approcher, d'accord? Où est-ce que t'es encore allé te fourrer, espèce de nouille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es endormi? Ouais, et d'ailleurs, c'était super cool. Je rêvais que je traversais une forêt où les arbres, c'était des cuisses de poulet. Ah, c'est pas vrai, où est-ce que j'ai mis ce truc? Je l'ai trouvé. Je vais aller croquer ces petits oisillons et personne ne pourra m'en empêcher. Personne. Une souris! Alors ça, c'est vraiment parfait! Ça fera un excellent hors d'œuvre. Opération diversion, phase 1. C'est parti! Oh, elle commence à m'énerver, cette souris de malheur! Caro, amène la souris le plus loin possible du parc. Réussis 5 sur 5. C'est pas une vraie souris, ça. J'y crois pas, je me suis fait avoir. Bon appétit, Caporal. Évite de manger les piles, quand même. Opération diversion, phase 2. On a presque terminé. Oh,
Oh, je me sens pas bien du tout. Je crois que ça irait mieux quand j'aurais mangé ces oisirs. On dirait que la voie est libre, mais méfiance tout de même. Peut-être que c'est un piège. Non, c'est bon, il n'y a personne. Allons-y. Quoi? T'arrives trop tard, caporal. Regarde plutôt par là. Génial! Les oisillons vont pouvoir dormir tranquilles là-haut. Bon bah voilà, t'as plus qu'à redescendre maintenant. Comme ça, on pourra jouer à chat. Très drôle. À toi de jouer, Robin. Oh là là, je sens que la nuit de caporal va être très longue. Oh oui, elle va être très très longue. J'ai envie d'aller jouer, moi. Moi aussi. Bonjour, Caro. Youpi. Oh, ne faites pas de bruit en buvant, c'est dégoûtant. Bill. Youpi! Génial! Super génial! Et maintenant, nous allons parler des voitures de collection avec Jerry Kahn. Hey, on écoutait de la musique. Monsieur Désolé, Kahn, je veux écouter mon émission sur les voitures. Beaucoup plus sophistiqué que la 368. Surtout depuis le changement. Oh, allez, vous pouvez aller jouer dehors. Dire que la 259 c'est pas juste. Rend des has-been, ou simplement que c'est un modèle qui est déjà dépassé. Ah, un chien zombie. C'est pas bientôt fini, tout sera vu. Oh, c'est pas vrai. Allez, Boule, rentre à la maison, tu es encore en pyjama. Le prochain coup, je vous le fais avaler. Tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là, tu fais trop de bruit, Un parapluie pour tortue, c'est trop bien ce truc. Oui, c'est vrai. Miam, des céréales au chocolat fourrées à la pâte à tartiner. Maman, papa, le petit déjeuner est prêt. Eh oh, c'est quoi ces manières? Vous mangez comme des animaux. Ah, c'est beaucoup mieux. Et on met pas ses coudes sur la table. Les parents, je vous jure. Yeah. Hey. Pourquoi est-ce que tu as éteint? Désolé, il faut que je m'entraîne. Oui, attendez-moi. C'est pas juste. En plus, pour faire des claquettes sur de la moquette. C'est pas juste. Vous pouvez fermer la porte. Les parents. Me dis pas que t'es à ton maximum là. D'accord, tu l'auras bien cherché. Prépare-toi pour mon boulet de canon. Belle passe.
Madame Stick. Tu as raison, Boule. C'est très important d'avoir de l'autorité sur ses parents. Oui, je suis d'accord avec vous. Si vous veniez prendre le thé à la maison tout à l'heure, on en discutera. Oh, ce serait avec plaisir. Quant à vous deux, il est temps d'aller à l'école. Mais j'ai pas envie d'aller à l'école. Oh. Au revoir, soyez sages. D'accord, Pouf. On se voit au magasin de jouets. Tourne à droite. Tu te rends compte, on va devoir payer 5 sacs de croquettes de luxe et une grande boîte de pop-corn pour les impôts. Avant, c'était seulement 3 sacs de croquettes et une sucette. Là, tourne à gauche. Veuillez vous avancer, mesdames et messieurs. Vous allez assister au merveilleux spectacle de la compagnie Boule et Bill. Yeah. À la prochaine, les amis. On est riches. C'est le repas. Oui, c'est équilibré. Et c'est très nourrissant. Salut ma petite Caro, comment ça va? Ça va, on s'amuse super bien à la maison. Regarde maman et papa. Partir plus tôt. Il ne voulait plus de nous. Descendez de là tout de suite. Vous allez casser le trampoline. En plus, vous avez des devoirs à faire, non? Des tonnes et des tonnes de devoirs à faire. Rabat-joie. Les parents, c'est plus que c'était. Je sais pas ce qu'on va faire d'eux. Youpi! Tu vas voir. C'est pas juste. C'est pas juste. Les amis, par ici, j'arrive. J'avais oublié que Madame Stick venait prendre le thé. Vite, on va tout préparer. D'accord. Laissez tomber les devoirs, Madame Stick va arriver. Génial. Hein? Je suis un peu en retard, désolée. Madame Stick et votre adorable chat. Quand est-ce qu'on rentre? Et voilà. Attention. No problemo. Dites bonjour à Madame Stick. Bonjour, Madame Stick. Les parents, aujourd'hui, ils savent plus se tenir. Oh, je suis bien d'accord avec vous. Quand est-ce qu'on rentre? Voilà le thé. Quand est-ce qu'on rentre? Ça, c'est sûr, c'est plus comme avant. Mais qu'est-ce que... Non, papa, ne touche pas à ces biscuits, c'est pour les invités. Pourquoi tu n'irais pas jouer avec ce gentil minou dans le jardin? Quand est-ce qu'on rentre? Non, je suis allergique aux chats. Moi aussi. Ils sont trop mignons. Vous voulez un biscuit? Oui, volontiers, mais un seul alors. Quand est-ce qu'on rentre? Je vous ai déjà raconté la fois où... Quand est-ce qu'on rentre? Ça veut dire qu'on rentre? Ils sont à quoi, ces biscuits? Au piment d'Espelette. Trop bon, non? Au revoir, à la prochaine. Pauvre Madame Stick. C'est qui? Wouhou, une lettre pour Boule.
que vous voulez une tasse de thé? Hein? C'est une facture pour 2500 os à moelle? Ça va pas, on n'a pas les moyens. Je le mérite quand même. Franchement, c'est moi qui fais tout à la maison, je te signale. Tu fais tout à la maison? Ah bon? Et moi alors? Oui, bah toi, tu t'es bien acheté un vélo, il me semble. Arrêtez un peu. Il y a quelque chose que tu as oublié, Boule. Un an pour un chien, c'est comme 7 ans pour un homme. Hein? Mais non, c'est pas possible. Désolé, c'est moi le plus vieux ici. Alors c'est moi qui commande à la maison à partir de maintenant, compris? Oui, Bill. Oh non. Allez, plus vite que ça. Plus vite. Plus vite. Vous trouvez ça propre? Hein? Régalez-vous avec votre feuille de salade. Hein? Délicieux. Hors de question que je mange de la salade. Pardon, mais tu nous prends pour quoi, Bill? Des tortues? Que personne ne touche à mon poulet. Vous pouvez prendre des biscuits si vous voulez. Mais attention, il paraît qu'il pique un peu. Bon, ça reste des biscuits quand même. Oh, c'était un rêve. Non, laisse-moi tranquille. J'ai pas tout compris là. Maman. Pourquoi t'es encore en pyjama, Boule? Je ferai tout ce que tu me diras, maman. Ah, bah ça c'est nouveau. Tu n'aurais pas cassé quelque chose, toi, par hasard? Non, je te le promets. Pourquoi tu dis ça, chérie? Boule, je suis très contente que tu aies décidé de nous obéir. Oui, et je suis vraiment désolée pour tous les soucis que je vous ai causés. Je sais que c'est pas toujours facile d'être parent. Tu veux que j'appelle le médecin? Oh, c'est très gentil, Boule. Je suis fier de toi, fiston. Tu es bien sûr que tu n'as pas besoin de te faire pardonner quelque chose, hein? Oui, sûr et certain, pas. Bon, dans ce cas, tu mérites bien une récompense. Qu'est-ce que tu dirais d'un biscuit? Un biscuit? Je viens de faire une fournée de biscuits. Ils sont dans le four. Ce sont tes préférés. Les enfants. Les humains.